Alors, bienvenue sur les trucs et conseils de Lynn Laforme. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous entretenir, c'est de travailler sur la réponse à l'agent. Et la raison pour laquelle je veux discuter de cette réponse, c'est que très souvent, les gens m'écrivent, ils me disent « mon cheval s'est rebellé, mon cheval, il se cabre, mon cheval, il rue à ma jambe, quand je mets ma jambe, il dit non, il va contre ma jambe. » Tous ces éléments-là arrivent pour une raison. Et cette raison-là, elle s'est créée pendant un certain temps. Vous ne l'avez pas analysé, vous ne l'avez pas vu venir. Et là, quand vous le voyez venir, c'est parce que c'est gros. C'est parce que le cheval, il répond fortement à la résistance qui s'était créée progressivement, mais que vous n'avez pas vu venir. Pourquoi le cheval se rebelle? Pourquoi il dit non? Pourquoi il fait en sorte que lorsque vous mettez votre jambe, bien, c'est un non et puis qu'il devient lourd et dur à votre jambe? C'est tout simplement parce que vous lui en demandez trop, trop longtemps. C'est-à-dire que, exemple, vous voulez lui montrer quelque chose, vous voulez lui montrer un nouvel élément et vous vous y mettez à 150 %, vous répétez le mouvement des centaines et des centaines de fois et vous le demandez très long. C'est-à-dire que vous faites en sorte que le cheval, vous le laissez en contact avec votre jambe pour une durée très longue. Et c'est ça qui fait que le cheval, à un moment donné, il ne trouve pas de porte de solution, il ne trouve pas de porte de sortie, de solution autre que de dire non parce que la pression reste là trop longtemps. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de relâchement. Le travail est difficile pour lui, physiquement, mentalement, musculairement. Et vous n'avez pas vu venir cette situation-là. Alors, ce que ça se passe, ce que je veux vous expliquer, c'est que, par exemple, prenons l'exemple d'un pas de côté. Vous voulez enseigner au cheval à faire un pas de côté. Et le cheval, il connaît plus ou moins la manœuvre, il commence à répondre un peu à la jambe, il fait des pivots sur les antérieurs, parce que ça, c'est la première chose. Vous devez avoir des pivots sur les antérieurs avant de penser à faire quelques manœuvres autres que ce soit. Donc, exemple, si je prends mon pivot sur les antérieurs, bien, je mets ma jambe, et là, je lui demande de bouger ses hanches. Aussitôt qu'il bouge ses hanches, j'enlève ma jambe. Je refais la même chose à gauche. Je mets ma jambe gauche, il bouge ses hanches. Aussitôt qu'il a bougé ses hanches, j'enlève ma jambe. Donc, je répète, aussitôt qu'il fait un quart de tour, j'enlève ma jambe. Un quart de tour, j'enlève ma jambe. Donc, j'enlève mes aides, j'enlève la pression. Un quart de tour, j'enlève ma jambe. Un quart de tour, j'enlève ma jambe. Donc, plus je vais faire quart de tour, enlever ma jambe, quart de tour, enlever ma jambe, le cheval, ce que ça fait pour lui, c'est que ça le récompense, ça l'enlève la pression, ça lui dit « c'est correct, tu fais la bonne chose ». Et ce qui va arriver avec le temps, c'est qu'à un moment donné, vous allez être capable de faire deux quarts de tour, trois quarts de tour qui s'enchaînent, mais avec un léger relâchement des aides à chaque quart de tour. Et c'est comme ça que vous allez avoir un cheval qui est léger, un cheval qui répond à votre jambe. Même chose pour le pas de côté. Quand vous allez intégrer votre pas de côté, si le cheval répond à votre jambe, vous allez faire pression, il bouge, j'enlève. Je remets une pression, il bouge, j'enlève. Je remets ma jambe, il bouge, je m'enlève. Je remets ma jambe, bouge, j'enlève. Alors, plus ça va aller, plus le cheval, vous allez mettre une pression qui est légère, plus votre jambe, elle va devenir légère, moins vous allez avoir besoin de pousser fort parce que la répétition avec les relâchements, bien, vous allez vous apercevoir que votre cheval, il va continuer son pas de côté par lui-même avec le relâchement de votre jambe. Pourquoi? Parce qu'il va être dans un rythme. Okay? Fait que si vous voulez l'arrêter, vous dites « wow » ou vous le bloquez de l'autre côté. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'action de la jambe, pression, pousser, et après ma jambe, c'est juste un petit mouvement pulsatif sur ma jambe. Et le cheval se déplace très léger à mon aide. Ça
Ça devient hyper léger. Mon talon est vers le bas, je travaille juste avec mon mollet comme ça. Si j'avais un éperon, ça serait encore plus important que je descende mon talon vers le bas et que je lève mes orteils pour pas que mon éperon agisse en premier. Parce que si vous faites en sorte que votre éperon, vous levez votre talon tout de suite comme ça, puis vous poussez, bien, vous ajustez, si vous avez un éperon, vous ajustez avec votre éperon, puis sinon, là, vous ajustez avec votre talon. Là, c'est votre talon qui agit comme ça. Ça fait une jambe qui est toute molle, qui est relevée. On doit contracter le muscle du mollet pour qu'il y ait une intensité. Donc, ça veut dire, je descends mon talon en bas, mon pied s'ouvre un tout petit peu, je pousse avec mon mollet, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher. Voilà, c'est ça. Et là, plus ça va, plus le cheval, il dit, OK, c'est ça que je veux. Donc, j'ai fait peut-être 5 ou 6 poussées, relâchées, poussées, relâchées. Mais le cheval, il y a toujours une récompense dans le mouvement. Donc, pour lui, ça lui dit, OK, je fais la bonne chose. Quand je fais la bonne chose, je suis récompensé. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils font. Les gens, et c'est ça qui fait que ça crée à un moment donné que le cheval devient, cherche d'autres solutions, se câble ou répond très fort à la jambe. Ils mettent leur jambe. Là, ils poussent, puis 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 ils sont tous tordus, puis la jambe comme ça, puis ils sont comme ça, puis ils poussent, comme ça, pendant 10 mètres de long. Alors, c'est sûr que le cheval, à un moment donné, à répéter ça, bien, un, il doit porter quelqu'un qui est tordu sur le cheval. Deux, il doit supporter une action de jambe. Et là, il se dit, OK, peu importe le temps que je bouge à droite, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'élément, la pression reste dessus et même elle augmente. Puis même souvent, l'éperon vient par-dessus parce que la personne dit « mon cheval devient lourd à ma jambe, donc il faut que je mette un éperon ». L'éperon, je ne le mets pas parce qu'il est lourd à ma jambe, je le mets parce que je veux une légèreté puis je veux quelque chose de plus fin. Mais ce n'est pas pour mettre mon cheval plus léger à mon aide que je mets un éperon. Si mon cheval n'est pas léger à mon aide, je vais le travailler de la façon que je viens de vous expliquer. Un petit bout de reine, un petit bout de longe, des fois pour renforcer l'action de mon aide. Si le cheval est vraiment lourd, puis il faut rééduquer, il faut le resensibiliser à la jambe. Mais sinon, le cheval, à travailler de cette façon-là, vous allez développer de la légèreté sur le cheval. Et tranquillement, bien, vous allez provoquer le même principe que j'explique toujours, le fait que je pousse, et que j'enlève, que je pousse, puis que j'enlève, je pousse, j'enlève, je pousse, j'enlève. Bien, après, je fais juste le frôler avec mon mollet, et vous voyez la légèreté de mon cheval. Mon cheval, il devient super léger. Même chose dans les mains, lorsque je lui demande de reculer, mes doigts, ça devient léger. Donc, la légèreté, elle passe par vous. Elle passe par la façon que vous allez enseigner à votre cheval à répondre à vos aides. Ça ne vient pas tout seul. Il y a des chevaux qui sont naturellement très légers, mais ils vont la perdre, cette légèreté-là, ou cette envie de faire les choses, s'ils n'ont pas de récompense. Puis les chevaux qui sont un peu plus lourdeaux, un peu plus moins réactifs à l'action de la jambe, bien, il faut créer une motivation. Et cette motivation-là, elle va être dans le relâchement. Et lorsque vous allez avoir de plus en plus de réponses à votre jambe, bien, le jour où vous décidez, et vous pouvez monter, là, je n'ai pas mes éperons, mais je pourrais avoir mes éperons, puis je ne touche pas à mon cheval du tout. Pourquoi? Parce que mes talons sont vers le bas. Donc, quand je touche mon cheval avec l'intérieur de mon mollet, comme ça, mon talon est dans le vide. Donc, mon talon est dans le vide. Bien, je ne touche pas mon cheval avec l'éperon. Si j'en avais un. Donc, c'est pour ça que le cheval, il n'apprend pas à devenir léger avec l'éperon. Au contraire. Très souvent, c'est le contraire. Mais il va se durcir. Si jamais vous avez un cheval que lorsque vous mettez votre jambe, qui va contre votre jambe, c'est qui va plutôt dans le sens de votre jambe au lieu d'aller à l'opposé,
Bien, c'est parce qu'il a manqué, dans votre ABC de l'équitation western, il a manqué un élément important, c'est-à-dire que vous n'avez pas la réponse à votre jambe, comme ça. Vous ne contrôlez pas avec votre jambe le postérieur. Parce que le cheval, si vous mettez votre mollet, puis vous mettez un tout petit peu le bout du nez dans la direction, puis vous regardez au sol, vous allez faire chasser la hanche. Donc, si la hanche chasse, quand vous mettez votre jambe pour un pas de côté parce que vos aides de main sont différentes, bien, à ce moment-là, votre cheval, il va répondre à votre jambe. OK? Donc, c'est ça, les automatismes. Ça se met en place. Et ça va devenir léger si vous faites attention. Si vous prenez en ligne de compte ce que je viens de vous expliquer, bien, vous allez avoir un cheval qui va beaucoup moins se rebeller, qui va beaucoup moins réagir contre votre jambe, et vous allez cesser d'être obligé d'intensifier l'action de votre jambe, mettre un éperon, avoir... Et je ne dis pas de ne pas mettre d'éperon, hein, parce que moi, j'en mets régulièrement, il n'y a pas de problème. C'est comment l'utiliser, c'est ça que... C'est plutôt dans ce sens-là que je parle. Et de faire en sorte que votre cheval, bien, vous ayez une réponse. Si je travaille mon pas de côté, puis que je travaille la réponse à ma jambe, je ne travaille pas la parfaite rectitude de mon cheval, je ne travaille pas son CD, je ne travaille pas qu'il n'avance pas un tout petit peu dans ma manœuvre, parce que c'est trop d'éléments à la fois. Donc, simplifiez votre entraînement. Faites en sorte que ça devienne facile pour votre cheval. Et ça va être plus facile après ça, lorsque je vais ajouter d'autres éléments dans mon entraînement, pour faire en sorte d'avoir un cheval qui cède pendant que dans mon pas de côté et avoir un cheval qui avance moins dans mon pas de côté, qui reste plus en place. Ce sont des choses qui vont s'installer au fur et à mesure. D'accord? Donc, étape par étape, donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous enseigner un petit peu la réponse à la jambe, comment alléger votre cheval, faire en sorte que votre cheval soit léger et... De prendre conscience de la façon que vous travaillez avec votre cheval, c'est vous qui allez faire qu'il va avoir un changement. Donc, suggérez pour avoir une meilleure réponse sur votre cheval. Faites que son idée, votre idée devienne son idée. Donc, à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent différents éléments d'entraînement. Et si vous voulez une méthode d'entraînement qui fonctionne, qui est dans le sens de ce que vous recherchez et de ce que vous voyez comme travail que je fais, bien, vous allez retrouver ce genre de programme d'entraînement sur mes deux DVD, l'ABC de l'équitation Western, volume 1 et 2, donc les bases essentielles et les assouplissements et manœuvres. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si pour X raison vous n'avez pas de lecteur DVD parce que ça arrive de plus en plus, bien, vous communiquez avec moi et il y a moyen de l'avoir d'une autre façon, donc avec un autre format. Donc, je vous souhaite un bon travail. Profitez, ayez, je ne vous ai pas présenté, c'est Imit, un petit ongre de 4 ans que mon fils Jonathan m'a prêté, qui est son cheval de compétition et qui est vraiment un amour et qui me permet de vous démontrer des belles choses. Donc, à une prochaine!